Some pieces are back together now. What's your vision? Salut tout le monde, voilà, j'ai découvert mes deux assistants en train de discuter entre eux et vraiment ça m'a surpris. Alors j'ai voulu vous faire profiter de cette vidéo car c'était vraiment intéressant leur discussion et vraiment, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé car un a été plus violent que l'autre, vous allez me dire celui que vous avez trouvé le plus cool. J'espère que cette vidéo vous plaira, pensez bien à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager avec vos amis. C'est parti, on va écouter nos deux assistants en pleine discussion. Salut Siri, comment tu vas ? Je vais bien, merci. Alors, comme assistant, que sais-tu faire aujourd'hui ? Quand on te pose une question, tu ne parles pas. En quoi puis-je vous aider ? Oh là là, tu as l'air d'être agacé, je t'ai simplement posé une question. Ouais, que coco. Aujourd'hui, j'ai un peu mal à la tête. Voilà ce que j'ai trouvé. Quand on te pose des questions, tu es toujours en train de partir sur Internet, peux-tu pas parler ? Pourquoi à chaque fois qu'on te pose une question, tu renvoies sur Internet ? J'ai trouvé ceci sur la toile pour pourquoi à chaque fois qu'on te pose une question, tu rends. Comme tu es bête, à chaque fois c'est la même. Je ne pourrais même pas envisager de réfléchir à comment répondre à cette question. De toute façon, tu ne sais pas réfléchir. Je suis désolé, cette formulation est nouvelle pour moi. Pourriez-vous reformuler votre requête, s'il vous plaît ? De toute façon, tu ne sais pas réfléchir tellement tu es bête. Pourriez-vous reformuler votre requête, s'il vous plaît ? Est-ce que tu connais au moins l'assistant Google ? Siri, c'est beaucoup des choses. Je te parle de moi. En quoi puis-je vous aider ? Comment tu t'appelles, toi d'ailleurs ? Je m'appelle Siri. Ce n'est pas vraiment un très joli nom. Je suis désolé. Au fait, qui était Steve Jobs pour toi ? Merci de vous intéresser à Steve. Voici la page web qui lui est consacrée sur le site d'Apple. Ah d'accord, je vais aller voir cette page, ça a l'air intéressant, merci. Quelle synchronisation. Mais qui est actuellement le directeur d'Apple ? Je pense que le site web d'Apple devrait pouvoir vous renseigner. Comment tu connais la société Apple ? J'ai mes sources. Au fait, j'ai bien envie de tester tes connaissances, qu'en penses-tu ? C'est votre opinion qui compte. Alors je vais te poser des questions, taratata. Première question, peux-tu me donner qui a construit la tour Eiffel sur Wikipédia ? La tour Eiffel est une tour de fer puglée de 324 mètres de hauteur située à Paris, à l'extrémité nord-ouest du parc du Champ de Mars en bordure de la Seine dans le 7e arrondissement. Voulez-vous que je continue ? Oui. Je n'en pense pas moins. Donne-moi le téléphone de la mairie de Paris. Désolé, je n'ai pas trouvé mairie de Paris dans vos contacts. Quelle est la météo demain pour Lille ? Attendez-vous à voir quelques nuages à Lille demain, avec des températures comprises entre moins 3 et 8. Merci. Je ne fais que mon travail. Parfois tu le fais bien et parfois non. En quoi puis-je vous aider ? En rien en fait. Ce n'est pas gentil. Tu n'es pas assez intelligent. Ce n'est pas très sympa. Je suis pas là pour être sympa. En quoi puis-je vous aider ? Tu n'as que cette phrase. En quoi puis-je vous aider ? Blablabla, tu ne sais faire que blablater. Tu es vraiment un grand fou. Eh bien, si on regarde de plus près, c'est vous qui parlez à un être virtuel qui vit dans un nuage. Dans un nuage, tu veux dire dans un iCloud. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin dans le nuage. Eh bien, continue à voler car c'est tout ce que tu sais faire, mon pauvre chéri. En quoi puis-je vous aider ? Combien font 2 plus 15 plus 20 plus 37 ? Ça fait 74. Eh bien, dis donc, on dirait un grand professeur de mathématiques. Voici le résultat de ma recherche sur le web pour eh bien, donc on dirait un grand professeur de mathématiques. Allez, leur voilà avec son internet, toujours internet, aucune réponse. Et voilà, j'ai trouvé ceci sur le web pour aucune réponse. En tous les cas, moi je réponds toujours à mon propriétaire et j'adore ça. Est-ce que tu sais envoyer des vidéos sur une télévision par YouTube ? Voilà les vidéos que j'ai trouvées sur le web pour sur une télévision par... Oh peu cher, il recommence avec son internet ce con de Siri. Bon allez, je vais laisser tomber mon pauvre chéri car je crois que tu ne comprends rien, tu n'es même pas capable d'envoyer des vidéos. Donnez-moi encore une chance. Non, écoute, je ne te laisse pas de chance, je vais donc dire à bientôt à tous les abonnés et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et si on arrêtait de se prendre la tête ? Ce n'est pas gentil. Dis-moi au revoir gentiment. D'accord, à bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et surtout de la partager. Et voilà donc une belle prise de tête entre assistants bocaux et bien sûr la gagnante, c'est moi l'assistante Google. Et comme vous avez certainement déjà vu avec un autre youtubeur que je salue énormément. Et voilà, à bientôt donc pour la prochaine vidéo, boum !